ماتش دينامو فرايبا الدليل عندي توالي من الماتش اللي بيشاري سهل نبري باري اس بيان الحمد لله الحمد لله نفكتشو لو تيران لا وطوب الحمد لله لا فيكتوري كسنا هذو لي سيبورتورنا وما مطولي عن اخت جا نبري باري ان شاء الله مونطامي ان شاء الله شوفيونا في كالمورال ان شاء الله الحمد لله يا ربي وكما شفتو كنا متاخرين في المقابله وانا عارف كيفاش نسيرو ادوار المقابله والحمد لله وفقنا ربي بفضل الجمهور تاعنا اللي مير فاليكس جا وقف معنا جوسكا لي مير ميلود اللي نحييه بالمناسبه وحنا ريسبكتينا لي كونسي تاع الكوتش وان شاء الله هذا الماتش اللي راح يفتح لنا في بوك تاع لو كارتيرو ان شاء الله وان شاء الله نكملوا في لابورتينيتي ونكون كيما نحضر المقابله تاع الشامبيون باريحيه لان فاليكس النتيجه الايجابيه راح تخلينا ان شاء الله نحضر بكل اريحيه البطوله ان شاء الله شكرا لكم لكم الحمد لله انا كومبيتيسيون هذه سي با لا بروميير فوا اللي نلعبها وان الحمد لله ريسبكتيت لي كونسي تاع الكوتش والحمد لله يا ربي عاونت صحابي بالحاجه اللي نقدر بها وان شاء الله نكمل هكذا ومازال نزيد نخدم ان شاء الله نشكره بزاف وكل اللي يوقف معنا في البطوله كما وقف معنا اليوم وان شاء الله راح نكمل البقاء ونفرحوا ان شاء الله في المنافسه الافريقيه سي سا فيكتوار نايت سالم والحمد لله يا ربي وفقنا ربي باش ربحنا هذا الماتش وجبنا لي 3 بوان والحمد لله فرحنا هذا الشعب يستاهل كل ما خير ان شاء الله ومازال الماتش القدام نزيدو نفرحوهم ان شاء الله اسكو كنت مهم بالبيت بيان سور بيان سور ايمان بالروح هو كلش وبيد والحمد لله امو بوبليك لا جياسكا جياسكا نقولو من البوبليك تاعنا يزيدو معنا مايكتر ويستاهلو كل ما خير ان شاء الله نزيدو نفرحوهم ما خير ان شاء الله Bonsoir, une nouvelle fois. Bienvenue pour cette conférence de presse d'après-match. Match 109, Ligue des champions Total Énergie de la CAF. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous le coach de la JSK, M. Mouloud Hamdi. Coach, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Première question, coach. Votre sentiment après cette victoire de 1, ce fut difficile face à la AS Vita Club. Votre opinion sur ce match? C'est très très difficile de jouer Vita Club en ce moment parce que nous on a joué il n'y a pas longtemps contre le CSC, on a laissé beaucoup d'énergie. J'étais inquiet par rapport à la fraîcheur des joueurs. C'est un match de Ligue des Champions qui laisse aussi beaucoup de traces. J'avais expliqué avec mon staff aux joueurs que c'était les portes d'un possible quart de finale qui s'ouvrait si au cas où on gagnait ce match. Vu le résultat précédent entre le Wydad et Petro, aujourd'hui le sentiment, c'est un sentiment de fierté par rapport à mes joueurs. Ils ont montré une grosse force mentale, malgré tous les problèmes qu'on a pu avoir, que ce soit en première mi-temps, où on a très très mal démarré ce match. Et heureusement qu'à la mi-temps, donc on a pu recadrer ensemble dans le vestiaire ce qui n'allait pas. On a rectifié le tir. Et une fois de plus, tout le mérite revient aux joueurs. Et j'en profite pour dédier cette victoire à la grand-mère de notre capitaine Souyad. On avait vraiment à cœur de le faire pour elle, qui est partie malheureusement. On peut dire ce soir que le JSK Lille a fait contre mauvaise fortune, bon cœur, dans la mesure où vous avez plusieurs joueurs blessés. Et ça a donné l'occasion à des jeunes joueurs de s'approprier, de montrer leur talent. Et finalement, la JSK a remporté 3 précieux points grâce à sa classe biberon, je pèse bien les mots, Nechat, Boaria et le jeune Naït Salem. La classe biberon, comme vous l'appelez, je partage votre sentiment. Donc, c'est des joueurs qui étaient dans mon collimateur, mais c'est des joueurs qui ont des qualités. Moi, je ne vais pas parler de Boaria parce que lui, il est quasiment tout le temps avec nous. Après, un joueur comme Naït Salem, c'est un joueur qu'il ne faut pas griller, il ne faut pas le lancer n'importe comment, n'importe quand et contre n'importe qui. Aujourd'hui, il a fait la différence, il marque ce joli but. Je suis très très content pour lui, ça inaugure de très belles choses pour l'avenir. Après, c'est des joueurs qui ont été très très bien encadrés par les anciens, entre guillemets, de l'équipe. Et ils ont apporté ce vent de fraîcheur, cette innocence sur le terrain. Il n'y a pas de calcul et tant mieux, on ressort, comme vous l'avez dit, avec les 3 points de la victoire. Mais c'est, comme vous dites aussi, par rapport aux joueurs qui manquaient aujourd'hui, les blessés, c'est de ça que vous parliez tout à l'heure. Donc les joueurs ont montré, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup, beaucoup de cœur, une grosse, grosse force mentale.
Et voilà, c'est vraiment un sentiment de fierté pour mes joueurs. Je suis vraiment heureux pour eux. Les voir sourire dans le vestiaire, se prendre dans les bras, se féliciter. Et trois points très très importants pour la suite. Donc oui, c'est un sentiment de fierté par rapport à mes joueurs.